Bonjour. Bon, alors aujourd'hui, on va vous présenter nos thermomètres digitaux. Les thermomètres digitaux sont des thermomètres qui sont vraiment très utilisés, que ce soit dans la cuisine ou en cosmétologie. Voilà. Donc, en cosmétologie, on utilise ces thermomètres-là pour pouvoir checker la température, par exemple pour les émulsions, pour pouvoir checker la température avant de faire l'émulsion. Et je vais en profiter pour vous parler ou donner quelques petites astuces dans ce domaine-là. Comment faire pour ne pas rater ces émulsions, pour ne pas avoir des émulsions trop, bon, des émulsions déphasées, des émulsions qui ne dissipent jamais ou tout ça. La température est vraiment très, très importante. Si vous faites des crèmes qui se déphasent, des crèmes déphasées ou des crèmes qui sont bizarres, c'est à cause de la température. Et je vais vraiment vous donner des explications dans ce domaine-là. Mais avant cela, souffrez à ce que je vous présente le bienfait de ces thermomètres-là. Je vais devoir commencer par le TP300. En vous présentant ses fonctions, ses avantages et ses inconvénients. Donc, le TP300, c'est un thermomètre à sonde parce qu'il y a une tige qu'on plonge dans la solution. Il peut aller jusqu'à moins 50 degrés, jusqu'à plus 300 degrés Celsius. Évidemment, ça peut aussi faire des mesures en Fahrenheit. En Fahrenheit, ça c'est la mesure anglaise, ça a une résolution de 0,1 degrés Celsius par Fahrenheit. Ça a une précision de plus égal à 1 degré Celsius. Sa puissance en matière électrique est de 1,5 volts. Cet appareil a trois boutons. Il y a un bouton pour l'allumer et pour l'éteindre, le on et off. Il y a ce qu'on prend pour changer les degrés de mesure, c'est-à-dire soit on le met en Fahrenheit ou on le met en degré Celsius. Et il y a la fonction hold, c'est-à-dire de maintenir. Lorsque tu plonges la sonde et que tu es en train de prendre la température, si la sonde est dans la solution ou dans le produit que tu veux maintenir, tu veux garder cette température que tu as mesurée là-bas, tu appuies hold et tu viens regarder. Là, ça ne bouge plus encore. Voilà. Après ça, nous allons parler maintenant du TP101. Le TP101 qui est aussi un thermomètre qui n'est pas mal. Donc, laissez-moi chercher le trou pour pouvoir l'ouvrir. Le TP300 se présente comme ceci. C'est lui qui est là. Lui aussi, il a une sonde. Et puis, quatre boutons. Ici, on l'allume. Ici, on choisit degré Celsius ou Fahrenheit. Ici, on fait hold. Et ici, lui, il a une fonction de plus. C'est-à-dire, ça donne c'est la fonction max et minimum. Donc, si vous êtes en train de faire baisser la température, ça peut vous montrer d'ici une minute, ça va descendre jusqu'à combien. Donc, c'est comme s'il vous devance un peu pour vous donner la température dans quelques minutes et dans peu de temps. Les deux sont vraiment très importants, mais il y a aussi parlé d'inconvénients et d'avantages. Il n'y a vraiment pas d'inconvénients et d'avantages. La seule chose qui est bien pour lui-là, pour le TP300, c'est qu'il est solide. Lui-là, il est performant, il est très bon, mais il n'est pas aussi trop solide. Mais il est très bon. Lorsque je dis qu'il n'est pas solide, c'est pas parce qu'il est trop fragile, mais lui-là, il est plus solide que lui. En matière de prix, celui-là coûte 6 000 francs et celui-là coûte 5 000 francs. Voilà, donc c'est un peu ce que j'ai à dire en ce qui concerne les thermomètres. Voilà.